Franck Dubosc et sa compagne Danielle sont les heureux parents de Raphaël, 11 ans, et Milan, 8 ans. Très proche d'eux, l'acteur et réalisateur leur rend parfois hommage sur les réseaux sociaux tout en étant conscient que sa notoriété doit les peser, oui. Elle pèse la notoriété, mais je l'ai voulu et elle pèse sur mes enfants surtout. Je m'en rends compte. Ils ont honte, c'est très gênant pour eux parce qu'il faut qu'ils existent par eux-mêmes. Ils ne sont pas les enfants de Franck Dubosc, ils sont eux, déclarait-il sur le plateau de On refait la télé le 12 juin dernier. Mais il arrive cependant à ce papa précautionneux de se montrer ferme sur des sujets au accent circonflexe combien sensible, je suis parfois pénible avec eux. Je limite leur temps d'écran. C'est difficile pour un enfant de concevoir que l'interdit fait partie de l'éducation. Invité sur le plateau de Clap ce samedi 28 août sur Europe 1, Franck Dubosc a notamment dévoilé le film qu'il était fier d'avoir fait découvrir à ses enfants à Laurie Collois, « C'est les disparus de Saint-Agile », répond-il après hésitation. C'est un vieux film mais ce n'est pas tant pour le film que pour avoir réussi à les passionner devant un vieux film en noir et blanc. Et l'acteur de révéler par la suite qu'il leur avait projeté certains des films dans lesquels il avait joué, là depuis quelques jours. J'essaie de leur montrer mes films, ça marche, j'y vais très doucement. J'ai commencé par Le Marquis. J'ai fait Incognito, a-t-il énuméré avant de s'interrompre soudainement, ils n'ont jamais vu Camping mes enfants, une révélation qui étonnera Laurie Collois. Poussant Franck Dubosc à s'expliquer, ils ont vu Tout le monde debout, ils ont vu les derniers parce qu'ils étaient aux avant-premières mais ils s'en foutent un peu. Très honnêtement, mais quand ils finissent le film, ils sont contents, révèle-t-il avec humour. Le Marquis, je l'ai fait un peu par prétention parce qu'ils aiment les films de gangsters. Et je suis un peu gangster. Je l'ai fait un peu pour montrer que papa aussi s'est cambriolé une banque, un papa qui porte par ailleurs très bien le slip de bain.